Aujourd'hui, quand on a une idée géniale, quand on veut monter une start-up, parce qu'on sait que le produit qu'on a en tête, en plus d'être révolutionnaire, il est écolo et il a tout ce qu'il faut comme il faut, c'est dur. C'est compliqué de monter une start-up. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça coûte beaucoup d'argent et c'est un peu décourageant. Souvent, les bonnes idées, elles restent dans les placards. Et si on faisait tout le contraire? Imaginez, j'ai une super idée, la start-up révolutionnaire du XXIe siècle. Et au lieu de passer par ce process long et fastidieux, je vais vous la partager, je vais vous la donner, je vais la donner à tout le monde. Et tous ensemble, on va construire ce produit écolo génial que tout le monde voudra s'arracher. On ira plus vite, on sera plus fort et le produit sera meilleur. Bon, ok. Je passe pour une espèce de hippie 2.0, vous pensez que je déconne. Mais en fait, on l'a fait. On l'a expérimenté et ça s'appelle POC21. POC21, c'est un accélérateur de projets pour la transition écologique. Ça a été conçu par WeShare, un collectif international dédié à l'économie collaborative, et OpenState, un collectif allemand qui expérimente des laboratoires de mode de vie durable. C'est 100 personnes réunies autour de 12 projets répondant à 5 critères. Le premier, vous en doutez, qu'il soit bon pour le climat, ou en tout cas qu'il favorise la transition écologique. Ensuite, que ce soit pas un software, mais que ce soit de l'hardware, un vrai produit, quelque chose qu'on puisse toucher. Et que le projet ne soit pas au stade de l'idée, mais qu'il soit au stade du prototype. Fonctionnel ou en cours de fonctionnalité. Et le tout sous la bannière de l'open source, c'est-à-dire sans brevet, sous licence libre. Et le dernier critère, qui est le plus compliqué de tous, être disponible pendant 5 semaines pour être accéléré dans POC21. Parmi ces projets, il y a le projet un peu fou de Jason. Jason, il est finlandais. Et il s'est souvent demandé pourquoi personne ne l'avait inventé plus tôt. Et il a créé Showerloop. Showerloop, c'est un système de filtration qui nettoie l'eau de la douche en temps réel pour la réintégrer dans votre pommeau de douche, pour créer une boucle infinie. Génial. Ça représente 33 000 litres d'eau économisés par an et par personne, soit 92% d'économie pour nos douches. Il y avait aussi Mauricio. Mauricio, il est péruvien, il vit en Espagne. Et il a créé FairCap. FairCap, c'est un filtre antibactérien, imprimable en 3D pour 1 euro, qui s'adapte à n'importe quelle bouteille et qui permet de rendre une eau impropre en eau potable. Aujourd'hui, 4 milliards de personnes souffrent de maladies liées au manque d'accès à l'eau potable. Je vais vous parler aussi de Bici Tractor. C'est un projet que j'adore, qui est hyper rigolo. C'est un tracteur à pédales qui est spécialement destiné aux petites et moyennes exploitations qui veulent faire du bio ou de la permaculture. Ça représente environ 8000 exploitations en France aujourd'hui. Les 12 projets viennent chercher du soutien et de l'entraide pour être accélérés auprès d'une communauté d'une centaine de personnes. Mais ce ne sont pas moins de 237 personnes qui sont passées pendant 5 semaines à POC21. Alors, qui sont-ils? Des geeks, des ingénieurs, des designers, des architectes, des communicants, des bidouilleurs. Bref, venus du monde entier pour faire que ces projets réussissent au bout de 5 semaines. Et parmi les gens qui vivaient là en permanence, il y avait les projets, évidemment, je vous ai dit, qui devaient être disponibles pendant les 5 semaines, les volontaires, qu'on a appelés nos angels, qui étaient là pour faire en sorte que la logistique fonctionne et qu'il y ait du soutien tous les jours, pour tout ce petit monde. Les supporters qui sont venus, eux, mettre la main à la pâte directement dans les équipes projets avec des compétences complémentaires. Les mentors qui sont venus apporter de l'inspiration et leur expertise le temps d'une journée ou deux. L'équipe projet, évidemment, la team organisatrice qui était là tout le temps. Et puis nos partenaires privés, publics, financiers ou non, qui sont venus découvrir, apprendre, et surtout aider les projets pendant les 5 semaines.
On a vécu tous ensemble pendant 5 semaines, mais où ça? Eh bien, dans un château, dans un super château du XVIe siècle, à Millemont, dans les Yvelines, donc à une 40aine de kilomètres de Paris. Et logé 100 personnes, on peut vous dire que c'est du travail. Évidemment, vous vous dites que c'est un peu un conte de fées moderne, là, que je vous présente, mais je vais quand même vous raconter les dessous de la vie de châtelain. Parce qu'en fait, le château, il était disponible seulement pour 15 personnes pour vivre. Donc, nous étions 40, une semaine top chrono avant le démarrage du campement, à venir et à construire de toutes pièces ce qui allait être notre maison pour 5 semaines. La première chose qu'on a fait, déblayer les écuries. On y a installé un Fab Lab géant, un atelier de fabrication, avec tous les derniers équipements de pointe. Et on y a construit nos établis, nos bureaux open source pour le coworking, nos tables, nos chaises, nos douches, nos toilettes sèches, bref, tout ce qui allait servir pour que 100 personnes puissent vivre, manger, dormir, travailler et co-créer pendant 5 semaines. POC 21 s'est construit, cette mini-société s'est construite autour des valeurs de l'open source et de l'environnement. Alors on a appliqué à POC 21 les critères de l'appel à projet. On a fait POC 21 pour POC 21. On a mis en place une politique zéro déchet. On a pris contact avec les producteurs et les agriculteurs locaux pour manger local, pour manger de saison. On a créé notre propre compost. Pour se doucher, on a utilisé des produits écolos, sans produits industriels. Et on a mis tout en place un système de tri, de recyclage et de réutilisation de nos déchets. Et comme on est une communauté ouverte et open source, à la fin de ces 5 semaines de travail, on a ouvert nos portes pour une grande exposition publique, le temps d'un week-end, qui s'est passé donc en septembre dernier. Il y a plus de 1500 personnes qui sont venues nous voir ce week-end-là. C'était incroyable. Et d'abord, ils ont vu ce que c'était POC 21, et surtout, ils ont vu ces 12 projets, les 12 prototypes finaux. Et ils étaient tellement enthousiastes qu'ils ont même passé commande, qu'ils ont demandé, mais où est-ce qu'on peut se procurer ces produits? Où est-ce qu'on peut les acheter? Bistractor, par exemple, ce tracteur à pédales, ils ont déjà 50 agriculteurs qui sont intéressés pour se fournir chez eux. Sauf que eux, ils n'en ont rien à faire de vendre le tracteur. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens se l'approprient. Ils sont en train de monter un cycle de formation payante à l'autoconstruction pour que les agriculteurs apprennent avec leur propre plan à monter ce tracteur et surtout à savoir le réparer en cas de problème. Showerloop, Jason, il est en discussion en ce moment avec un leader du bricolage qui voudrait distribuer sa douche dans ses magasins. Comme quoi, on peut faire de l'open source et gagner de l'argent. D'ailleurs, si on appliquait la loi des 1% au projet POC 21, 90% des gens trouvent les produits géniaux et ont juste envie de les acheter, de se les procurer. 9% vont avoir envie de les acheter en kit pour pouvoir les monter eux-mêmes. Et seulement 1% ira effectivement chercher les fichiers sources pour les regarder, les améliorer et se les approprier. Le bilan de cette aventure, c'est humainement incroyable et dingue. C'était vraiment très fort. C'est un projet entièrement pensé open source pour qu'il puisse être dupliqué partout et par tous. Tous ensemble, on a bâti le POC, le vrai proof of concept, la preuve de faisabilité d'un nouveau mode de production pour une société post-carbone et zéro déchet. Et si on l'a fait, ça veut dire que c'est possible. Et en plus, on a prouvé que ça marche. Alors du coup, je me demande, et vous, vous vous y mettez quand? Merci.